Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce hors-semag et en magazine du cheval aujourd'hui où nous sommes à Iéna, à l'Institut équestre national à Avenches, où nous avons rencontré l'ex-cavalière de concours hippique international, Anne Lobscher, une Anne Lobscher eh bien, qui entre-temps a bifurqué, s'est reconvertie dans le trot attelé sous les couleurs de l'écurie Henri Turettini. Une Anne Lobscher pour commencer eh bien, qui revient sur sa carrière en concours hippique. Un souvenir extraordinaire, c'est et c'est encore toujours ma passion. Donc je vis devant la télévision, les grands prix, je ne rate rien. Ouais, non, le concours, c'est vraiment ce que je préfère. C'est-à-dire qu'Henri Turettini, je m'occupais d'un manège à Puydou et un jour, il ne savait plus tellement bien comment gérer une jument qui était un peu compliquée du point de vue santé. J'avais commencé un peu le trot attelé également et il me l'a envoyé chez moi. Et de fil en aiguille, on a acheté un deuxième, puis un troisième, et puis j'ai quitté Puydou. On est venu s'installer à Avenches. On s'est dit que pour remplir une écurie, il fallait un peu plus. Et Henri a commencé l'élevage, et ça s'est voilà, ça s'est emballé comme ça. Mais non, c'est vrai que c'est assez important, parce qu'il y a une quinzaine de trotteurs quand même. Je suis un peu plus dans mon élément dessus quand même, je dois dire, mais c'est pas très différent, parce que je pense que quand on a eu la chance d'avoir beaucoup monté, on arrive à transposer un peu. Mais c'est vrai que je suis un petit peu plus dans mon élément dessus quand même. Enfin, maintenant, je me suis habituée. Il n'y a rien fait, c'est la vie, voilà, c'est la vie qui réserve des petites surprises comme ça, ça s'est passé comme ça, et puis voilà, sans un choix, parce que le concours reste vraiment ma passion. C'est les chevaux qui me passionnent, donc je suis maintenant aussi passionnée par les trotteurs pareillement, mais c'est vrai que le concours reste un petit peu ce que j'aime. Ça, c'est un sulky d'entraînement, qui a un peu plus de suspension. C'est une suspension à air là, qui est un peu plus long, un peu plus confortable pour le driver. C'est quand même beaucoup plus simple en attelage, vous avez les colliers. Là, vous avez juste un harnais. Et puis maintenant, on a quelque chose de très simple qui s'appelle des attaches quick hitch. Donc vous enfilez juste comme ça avec un petit tac. Alors qu'il n'y a pas toutes ces ficelles. Alors, on prétend que ça peut être un petit peu plus irritant pour les garrots. C'est pour ça qu'on met des grands pads comme ça bien rembourré. Monsieur Turettini nous élève des chevaux qu'on reçoit tout de suite, qui sont un peu mis à notre main. Donc Victor est très fort avec les jeunes chevaux, donc ils sont tous très assez gentils. Alors, bien sûr, ils ont du gaz, ce sont des chevaux de course, mais et puis chacun est différent. Marche arrière. Par M. Turettini. Donc à la base, c'est des mélanges maintenant de trotteurs français et trotteurs américains, beaucoup. Et il les a tous élevés lui-même. Donc c'est encore plus motivant d'avoir connu les mères, d'avoir. C'est des chevaux, non, qui naissent en France quand même, dans leur élevage en France. C'est des chevaux qui naissent en France et ils nous les amènent vers quand ils ont un an et demi à peu près. En principe, on les qualifie, on les débute à 2 ans, puis vous en avez des plus précoces, des plus tardives, ça dépend beaucoup de leur morphologie, qui grandissent plus, qui sont plus lents. Donc comme on en a beaucoup chaque année, c'est bien de pouvoir étaler un peu. Mais de plus en plus, je pense qu'ils sont en maturité assez tard. Je pense qu'avant la fin des 4 ans, ils sont rarement en maturité. C'est vrai qu'on essaye de mettre nos chevaux comme on aime qu'ils soient. C'est vrai que vous avez vu peut-être l'entraînement maintenant, le deuxième que j'avais. J'avais quand même un peu dans les mains à un moment donné, c'est pour ça que je me cachais derrière l'autre. Et après, quand on est allé plus vite, alors il était plus étendu. Mais on met un peu chacun à sa façon. Avec, vous avez quand même des embouchures. Nous, on a des embouchures assez gentilles parce qu'on aimerait que des bouches qui soient un peu gentilles avec nous aussi. Donc, non, on n'a pas l'impression d'être pendu. Non, c'est comme les cavaliers, je pense qu'il y a aussi des mauvais qui sont pendus. Ils ont tous un peu leur travers, vous en avez qui partent, qui se déportent un peu d'un côté, qui se déportent un peu de l'autre. Donc on essaye d'arranger. Souvent justement ce que je disais tout à l'heure, ma jambe me manque un peu. Quand il y en a un qui commence à partir de côté, je me mets des crampes dans la jambe qui ne servent à rien du tout. Comme ça. Et alors vous avez vu au sud qui on a des barres où on peut les aider un peu. Non, la sensation dans la bouche, on recherche un peu la même chose, oui, quand même. Alors pas la mise en main bien sûr, mais
Mais quand même le même contact, effectivement. Si vous avez un cheval au bout des mains et que tout à coup vous accélérez, c'est assez extraordinaire. La sensation est quand même aussi assez extraordinaire. Alors nous, on a beaucoup de chance, c'est qu'on a ces installations avec ces parcs et les chevaux sont beaucoup en mouvement, ils sont beaucoup dehors, ils y passent aussi souvent la nuit, quoi. Donc je pense que ça diminue pas mal les problèmes vétérinaires quand même. Le site est tellement grand que vous pouvez faire des balades, même dans le Military Garden ou bien dans tous les chemins, où ils ont l'impression d'être en balade, bien sûr. Sur la ligne d'arrivée, d'abord on est contraint par le règlement à lutter chacun pour soi dans ce moment-là. Et sur la ligne d'arrivée, c'est vrai qu'on lutte un peu chacun pour soi. Alors bien sûr, vous n'allez pas risquer de trop solliciter un cheval au risque de le mettre à la faute si vous avez un de l'écurie qui est en train de gagner devant vous. C'est certain que ce serait idiot. Mais quand même, on essaye, bien sûr qu'on défend ça. Déjà pour les joueurs, on a l'obligation de défendre sa place. Parce que là, nous sommes en train de travailler 2 ans. Et déjà, il y en a un ou deux, vous êtes l'un derrière l'autre, vous le décalez un petit peu, il y en a qui pensent qu'à passer, effectivement. Non, je crois qu'ils se prennent au jeu quand même. Alors, du plaisir, est-ce qu'ils ont du plaisir en concours hippique? On ne saura jamais vraiment. On essaie de leur rendre en tout cas la vie la plus plaisante qu'on peut. Et d'ailleurs, avec ce qu'ils nous donnent en cours, je crois qu'ils ne doivent pas être très malheureux parce qu'ils sont vraiment sympas. Ça reste en Suisse, c'est un peu mieux que ça a été ces dernières années. Il y a un petit peu plus d'argent dans les courses parce qu'il y a des retombées du PMU qui sont remises dans le dans plus le d'argent circuit. À Nobcher, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Avant, vous aviez gagne des une courses, course vous aviez des courses où c'était 1500 francs au premier ou un truc comme ça. Maintenant, vous avez différentes catégories, mais je pense que la plus petite catégorie, vous gagnez dans les 2500 francs au premier. Et la plus grande, vous arrivez, mais il n'y en a pas beaucoup, mais vous arrivez des fois voire à près de 10 000. Dans les toutes grosses, il n'y en a pas beaucoup par année. Alors que dans les pays voisins ou en France, c'est vraiment toute une organisation où ils gagnent beaucoup d'argent. Oui. Enfin, ils gagnent, ils investissent aussi beaucoup. Je ne sais pas s'il leur reste à la fin, hein, mais disons que c'est plus professionnel. Ici, ça reste quand même, malgré tout ça, assez amateur. Vous ne faites pas tourner une écurie avec les gains que vous gagnez aux courses. Le mot travail n'existe pas parce que c'est plutôt le mot passion, oui. Moi, j'arrive quand il fait nuit, je pars quand il fait nuit en général, mais voilà. La passion de se lever le matin, qu'il soit les 18 en train de me regarder pour manger, voilà. Et la même chose le soir. Et c'est presque pas du travail, c'est des métiers où il ne faut pas voir ça comme du travail, je crois. On a beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on passe 3 mois d'hiver sur la Côte d'Azur avec tous les chevaux. Alors là, le jour qu'on a aujourd'hui, on l'a eu tout l'hiver, toutes les après-midi. Alors là, ça change beaucoup. Et les chevaux, parce qu'ils vivent en sabulation, ils ont tous un box avec un petit paddock. Donc ils vivent l'hiver au lieu d'être en box avec la neige et le gel. Ils sont déjà tout le temps. Et là, il n'y a pas de course, c'est la remise en état. Là, il n'y a pas de course, alors on a une piste où pendant un mois, comme ça, ils restent tranquilles. Et puis après, ou alors j'attelle déjà ceux qui n'avaient pas, les jeunes ou qui n'avaient pas fait de course l'année d'avant. Puis après, on les remet pendant un mois et demi en marche. Et quand on arrive, ils sont prêts, plus ou moins prêts. Donc ça leur change beaucoup, je pense. C'est très... Ils savent 2-3 jours avant, et ceux qui ont déjà l'habitude, ils se disent ah, il y a quelque chose qui change dans l'organisation, on s'en va. Ouais. Ils arrivent, ils sont chez eux là-bas aussi, c'est très bien pour la tête. Ouais. Pour la mienne aussi. Parce que l'hiver est quand même beaucoup plus facile avec le ciel bleu et les pins verts. Hein. Ouais. Voilà, après Anne Loupcher, on s'intéresse à un des autres membres de cette écurie Turettini, Vitor de Oliveira, qui revient pour commencer sur ses plus de 20 victoires. Vous allez le voir avec le même cheval, on l'écoute. J'ai eu des drôles de sensations avec un cheval qui s'appelait Razzino, élevé par M. Turettini. J'étais un peu le seul à courir avec parce qu'il était un peu spécial. Un cheval avec lequel j'ai gagné 23, 24 courses, je ne me souviens pas tout à fait le nombre exact. Mais c'est des joies, c'est des pleurs, ça n'a pas toujours été... Mais oui, gagner 23 courses ou 24 sur 74 qu'il a couru, c'est pas mal. C'est le seul... C'est pas le seul, j'en ai beaucoup avec tous les autres, mais celui-là, il me touche tout particulièrement. C'est difficile parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il est né peut-être avec un petit grand, beaucoup de caractère qu'on ne peut pas toujours apprivoiser comme on aimerait. J'ai commencé parce qu'en étant émigré en Suisse, à l'époque, on travaillait des saisons de 9 mois. Et comme je ne voulais pas trop rentrer les 3 mois chez moi, je me suis trouvé de petits jobs dans les chevaux. C'est un peu comme ça que j'ai connu les chevaux. Une journée, on arrive, on commence nos journées à 7 heures et puis
On travaille des chevaux jusqu'à 13h, midi et demi, 13h. Après, on a une petite pause entre 13h et 15h. Et puis après, on rentre les chevaux et on fait les soins. On passe, c'est un peu comme ça qu'on fait nos journées de travail au sein de l'écurie. On ne peut pas parler de peur. Des fois, on peut avoir une certaine appréhension parce que enfin, on se trouve à 15, 18. Un peu, des fois, ça serre, les roues, ça frotte un peu. Un cheval qui galope au milieu du peloton, ça peut vite causer des dégâts, mais bon, on n'a pas de grands accidents à déplorer au centre de Swiss Trot. On essaye d'apporter un maximum pour que l'écurie progresse, parce qu'on a de la chance d'avoir de très bons chevaux, issus d'un bon élevage que M. Turritini a développé au longueur de ces années, depuis que je suis là pratiquement. Et voilà, si on arrive à ces résultats, c'est un peu grâce à lui, parce qu'il nous apporte du matériel. L'objectif, c'est ça, toujours faire au mieux, mais dans le sens écurie, quoi. Pour moi, personnellement, j'ai pas vraiment d'objectif, mais je sais que si on attend des objectifs au niveau d'écurie, personnellement, il y a quand même une satisfaction. C'est le seul... C'est le seul objectif en soi. On a eu des chevaux que j'ai démarrés, que par la suite j'ai passé à Anne ou j'ai passé à M. Turritini parce que je ne m'entendais pas avec. Et ça va aussi dans l'autre sens. Eux, des fois, quand ça ne va pas avec un cheval, ils me disent qu'il faut essayer. Et puis voilà, c'est le travail d'équipe, c'est ça. Fin de cette émission Orsomag. Merci beaucoup en tout cas à Anne Loupcher et Victor de Oliveira. Et puis merci également à Yéna de nous avoir reçus. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao.